Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines, que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain.